Pour ceux qui habitent le long du lac, ils le savent. Le lac en soi produit des vents violents. Et des vents là ramassent même les maisons entières. Aujourd'hui, avec la réforestation aux alentours du lac Tumba, nous sommes parvenus à résoudre ce problème. Et vous remarquerez qu'au jour d'aujourd'hui, l'État a même loti aux alentours du lac. Tout simplement parce que, à cause de la présence des acacias, qui constituent des coupes-vents, maintenant il y a des habitations tout au long du lac. Le long du lac ou les alentours du lac constituent des sites de ponts pour les poissons. Quand on reboise le long du lac, on restaure les sites de ponts. Les poissons qui autrefois avaient fui parce que la population a coupé tout autour du lac, maintenant qu'on a reboisé, les poissons reviennent pour pondre des œufs. Et cela a comme un effet multiplicateur de multiplication des poissons. Maintenant qu'on a reboisé le long du lac, on a des lieux de repos chaque fois qu'il fait chaud. Et même ces lieux de repos-là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce sont des lieux maintenant qui servent de petits commerces. Autant de résultats, je vous épargne les détails. Na mona pe ba fleur nango ana soki ebimi mwa ba pokoche nango ana ndenge zo bima boy nde ba fleur nango to zui to sokola kanango pe ba nini bilamba to ebaki ka na sima na bango ana to mekika ka kozwa ba fleur nango to niki na mai ou bien to zili boka to tuti to tiango na mai to zui bilamba to zindisi nde ebimisi fulu na simango toki ko sukola bilamba pe eteli bien neti savo. L'apport de NUD a été multiple. C'est un projet qui concernait l'implication communautaire. Le gage n'a amené que l'expertise. Mais ceux qui ont reboisé du début jusqu'à la fin, ce sont les communautés. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au niveau où, au sein même, sur place à Bikoro, les gens ont compris l'importance des acacias. Et au jour d'aujourd'hui, il y a même des sites où on n'a pas reboisé, mais que les communautés ont pris la responsabilité de faire les mêmes pépinières et de reboiser au niveau des cités.